Ce soir, nous pouvons découvrir le Youth Employment Program qui fin met en place par le ministère depuis plusieurs années déjà. Nous pouvons guetter ensemble qui objectif ce programme-là et aussi qui souhaite bénéficier que je gagne un placement en entreprise à travers YEP. Madame Zinyadeb, est-ce que vous pouvez nous demander aux spectateurs c'est quoi exactement le Youth Employment Program? Le Youth Employment Program est un programme de placement et de formation pour les jeunes sans emploi entre 16 à 35 ans. Ce programme-là est implémenté par le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation en 2015. Et aussi, quels sont différents objectifs de ce programme-là? Ce programme-là a plusieurs objectifs. Parmi, il permet à un jeune sans emploi d'obtenir un placement ou une formation pour une période initiale de 1 an avec une possibilité de gagner un emploi permanent dans sa entreprise-là. Si jamais ce jeune-là n'a pas réussi à gagner un emploi permanent après ce 1 an de placement sous le YEP d'une entreprise, il a une possibilité pour un deuxième placement sous YEP dans une autre entreprise. Donc, un jeune sans emploi est éligible pour 2 ans de placement sous ce programme-là. Et ça, à travers ce programme-là, il permet aussi à un jeune sans emploi d'acquérir l'expérience et développer les compétences nécessaires sur le marché du travail. Et il aide aussi un employeur pour recruter un candidat à travers le YEP. Et dis-moi, qui va nous critère un jeune bisin et napolica participe dans le Youth Employment Program? Pourquoi pas participe sous ce programme-là un jeune bisin et n'a entre 16 à 35 ans? Les bisins soit un HSI ou un GC A-level avec minimum 2 sujets au niveau principal ou même un diplôme ou un degré. Les bisins enregistrés les le YEP Database. Pour le faire, les bisins enregistrés les au bureau d'emploi le plus proche de sa résidence avec tout ce banc de qualification original. Les pour gagner un aussi un number qu'il faut utiliser pour enregistrer les sur le website de YEP. Si un jeune intéressé pour aider ce profil sur le YEP, tel que son numéro de téléphone, son adresse, son qualification, il a besoin d'envoyer un email au YEP secrétariat sur l'email adresse swdg@yep.me. Et dis-nous qu'un jeune, quand il peut se voir, quand il obtient un placement sur YEP dans une entreprise? Pendant la période de placement, ce jeune-là peut gagner un stipend chaque mois de son employeur, dépendant de son niveau académique. Pour un HSI holder, il peut gagner 8 000 roupies. Pour un diplôme holder, il peut gagner 10 000 roupies. Pour un gradué, il peut gagner 15 000 roupies. Et comment faire si un employeur est intéressé pour participer dans le Youth Employment Program? Un employeur est bisin opérationnel pendant minimum 1 an dans un secteur d'activité. Les bisins enregistrés sur le website de YEP, www.yep.me. Un employeur est capable de faire une requête au YEP secrétariat pour une liste de jeunes qui sont déjà enregistrés sur le YEP database du ministère. Pour n'importe quel autre renseignement, les bisins envoient un email sur swdg@yep.mu ou téléphone le YEP secrétariat sur 405 01 36 82 ou 85. Et dis-moi, un employeur, qui les bénéficie quand il participe sur le YEP? Un employeur est éligible pour 50% remboursement de sa stipend-là par la HRDC. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.